Bouh ! Remboursé ! Ton premier spectacle ? Un Tartuffe à Toulouse dans le cadre du collège. Et je me souviens que j'avais pas du tout accroché, que j'avais rien compris à l'histoire et qu'au bout de 20 minutes, j'étais le méchant scolaire qu'on peut détester des fois quand il s'énerve trop et qu'il s'excite trop dans la salle. Et je crois que ma première sortie théâtrale était un échec. Je crois qu'adolescent, on dit que c'est nul aussi par... voilà, c'est le contexte qui veut ça aussi. Oui, c'est ça. Mais si on montait un peu plus loin, je me souviens qu'encore plus petit, primaire et tout, il y avait des spectacles de magie. Et ça me passionnait. J'étais assez fou de ça. Ton dernier spectacle ? Mon dernier spectacle, je suis allé voir... c'était hier, Arthur Ohui. Donc ici. Ici, ouais. C'est pas bien loin. La fois où tu t'es dit waouh. Vraiment, si j'en avais une, j'en ai plusieurs évidemment, on en a plein, mais une qui m'a fait comprendre des choses, parce que je fais partie de cette petite génération un peu Vincent Macaigne. Et je dois avouer que en vrai, quand je suis allé voir au Cloître des Carmes, au moins j'aurais laissé un beau cadavre, c'était mon premier. Macaigne, après la première fois, il était un choc un peu de comprendre qu'on pouvait aussi jouer comme ça, de la scénographie, tout, enfin, je sais pas, tous les codes étaient bouleversés et ça m'a vraiment éclaté un mur. Voilà, ça m'a permis de. Oui, c'est ça éclate toutes les conventions. Ouais, complètement. Ouais. Quand c'est nul, est-ce que tu dors, est-ce que tu pars ou est-ce que tu subis? Ça dépend. Il y a nul. Il y a différentes nullités. Il y a celle qui se voudrait provocatrice, un peu prétentieuse, et là qui m'énerve vraiment. Il y a assez nul et ça me fait de la peine et j'aimerais que ce soit mieux. Il y a je vois très vite où ça va aller et je vais un peu me faire chier. Mais ça dépend aussi de s'il y a des amis au plateau ou quoi. Donc tu peux pas forcément partir tout le temps. J'ai jamais hué ni montré ostensiblement parce que je trouve ça très con. On en a eu un sur l'éveil du printemps, c'est la première fois d'ailleurs de ma vie que j'ai entendu bouh ! Remboursé ! Donc, originalité zéro. C'est le mec qui s'est dit qu'est-ce que je peux dire. Et je vais attendre 2h50 de spectacle pour. C'était un peu ridicule. Est-ce que tu lis les Bibles ? Ça dépend. J'aime si c'est un peu un Shakespeare un peu nébuleux, lointain. J'aime me relire, me resituer l'histoire parce que sinon ça peut porter préjudice pour la suite et la compréhension du spectacle. Mais après, les photos, tout ça, je trouve ça dommage parce que du coup, ça me casse l'imaginaire que je peux créer à vue et au présent. Est-ce que tu collectionnes les billets de spectacle ? Je l'ai fait avant, quand j'étais plus jeune. Maintenant, je le fais plus. Et en vrai, je regrette parce que je crois que c'était un moyen aussi de que la mémoire ne suinte pas, quoi. Enfin, que ça, un objet pratique de savoir qu'est-ce qu'on a vu. J'étais fétichiste des billets, ouais. T'es le premier de cette série d'interviews à me dire oui à cette question. C'est vrai ? Oui. Personne n'a jamais fait ça. Enfin. Enfin, je trouve quelqu'un qui fait comme moi, surtout. Qu'est-ce qu'on dit au metteur en scène quand on n'a pas aimé ? On dit quand même bravo. C'est vrai, on est un peu lâche, mais bon, c'est un peu un truc consenti dans ce milieu-là. Et il y a une façon polie de dire j'ai pas aimé, qui est quand même de dire j'ai aimé, mais la façon de le faire, l'autre comprend. Et s'il est plutôt intelligent, il va pas s'attarder du coup à poser des questions. Mais c'est assez difficile, je trouve. Surtout parce que tu le vois après le spectacle et c'est hyper douloureux. Moi, on me l'a fait une fois de me défoncer à la sortie. Et c'est vraiment pas agréable et c'est assez irrespectueux. Surtout quand il te reste 50 représentations derrière. Ouais, en plus, oui. Oui. Est-ce qu'il y a un truc de mise en scène qui te saoule ? Je pense qu'il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y a des trucs que je reconnais et qui sont un peu dans l'air du temps, mais non, j'ai pas trop d'idées là comme ça. Ça va peut-être revenir pendant le... Tu fais moi signe comme ça au montage, ouais, on mettra à la fin de la question. Ton pire souvenir de théâtre ? Putain, ouais, mais non, je peux pas. Ok. Je peux pas le dire. Enfin, donc c'est à vous. C'est à vous. Je peux pas balancer. Le spectacle que tu regrettes de ne pas avoir vu ? J'aurais bien vu un spectacle de vitesse. Vitesse. Pas pareil. Sujet de Satin, ouais, ça m'aurait. Je dis ça comme ça, mais en vrai. Parce qu'on en entend tellement parler sur des spectacles fleuves, au moins d'assister à un, pour se faire une idée. Donc ils sont rentrés dans la légende en plus. Et... Oui, voilà, donc du coup. Il y en a plein, mais le spectacle, ça va peut-être revenir aussi. Bon, ça va être le montage hyper compliqué. Mais... Je suis sûr qu'il va arriver, mais ce sera. T'auras rangé le matériel. Mais... Et est-ce que ça t'arrive face à un spectacle de te dire. Je préférerais être sur scène que dans la salle. Oui, ça peut arriver parce qu'on se dit
putain, ce rôle, il est trop bien, j'aimerais trop le faire et putain, je le ferais vachement bien, ou je sais pas, ou pas d'ailleurs, mais... Parce que c'est vrai que les acteurs, je pense qu'on est des spectateurs un peu particuliers dans le sens où on a un regard par rapport au jeu, enfin, qui fait qu'aussi, des fois, on peut se projeter aussi. Mais il y a un transfert. Ouais, il y a un transfert qui peut se faire et du coup, oui, de vouloir soi-même rejoindre une aventure tout d'un coup en se disant ils ont l'air de trop s'amuser. Et du coup, je reviens à la question, je l'ai oubliée d'ailleurs. Celle que j'ai dit peut-être plus tard. Moi aussi, j'ai oublié. Bon, bah merci. Bah merci à toi.